Et voilà, salut, au revoir tout le monde, donc on se retrouve sur Patreon pour la suite de nos aventures avec un nouvel épisode. Et salut à toi Rubiria, je suis désolé, j'ai raté ton message lors de l'épisode précédent. Si tu es toujours là, tu m'en voudras pas. Si tu n'es plus là, mais écoute, c'est trop tard. Donc, on va se trouver un nouvel objectif. L'épisode précédent, on a amélioré toutes nos maisons en maisons à deux étages. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire d'intéressant? Rétribution de la richesse. La mise en place de cette politique réduit les impôts des marchands et de la noblesse de 20%. Droit de propriété. Accorde un revenu pour chaque maison en pierre. Alors ça pourrait être intéressant à condition qu'on trouve le revenu pour chaque maison à deux étages, quoi. Bon. Alors on va revenir un peu vers le début. Culture de tournesol, et pourquoi pas, en attendant. Près de marché, pourquoi pas. Ok. Ah oui, le puits en pierre. Le puits en pierre qu'on voulait faire au début, qu'on a toujours pas fait. Donc on va faire ça. C'est parti donc pour le puits en pierre. Alors pour ceux qui sont en live actuellement, ce sera le dernier épisode pour ce soir de Patreon, mais ce sera pas le dernier épisode du Let's Play, donc on y reviendra probablement dans la semaine pour laisser la place ce week-end à Diablo. Encore que peut-être je ferai un épisode ou deux en off, on verra. Dans tous les cas, vous pourrez retrouver cette semaine les épisodes de Patreon sur la chaîne YouTube une fois qu'ils seront uploadés. Si vous voulez revoir la chose. Fontaine moyenne, c'est ce qu'on va faire, les temps moyens aussi. Allez, là on se fait toutes les recherches un maximum. Élevage de moutons, voilà, c'est ce qu'on n'a pas fait. Il nous fallait la laine pour la boutique de bougies. On a préparé l'enclos exprès. Mais il nous manque l'élevage de moutons. On a appris tout ce qu'il y avait avant, pas de soucis. Donc on va finir ça tranquillement. Objectif, on cure les recherches dans cet épisode visiblement. Allez. Donc l'enclos. Oups. Oups, des os, c'est bon, on y est. Ici, on veut des moutons. Et donc c'est parti, on va se faire de la laine qui va nous servir ici. Vous voyez le petit point d'exclamation, ça veut dire j'ai pas de laine. Et ici, en attendant, on va vendre le petit bois. Recherche terminée, c'est parfait. Apprenti potier. Donc voilà, là on est au stade de l'opulence. C'est-à-dire qu'on ne se prive d'absolument plus rien. On attend quand même un peu des travailleurs. Et petit à petit ça devrait aller, on a 30 maisons, on pourrait avoir jusqu'à 300 personnes. Ici t'en es où au fait de... Ah t'es repassé, il était à 9 en luxe. Et on lui a mis la boutique de la bijouterie juste à côté là. Un jardin. Et puis la boutique de bougies. Et là hop ça va beaucoup mieux. Problème de maison. Ah, certaines familles, ouais, ils veulent absolument des nouvelles maisons hein, maintenant. Ça ne suffit plus d'avoir des grandes familles, on veut fonder sa propre famille. Donc, on va faire ça. Maison à deux étages. Oups, bon, c'est pas grave. Une petite bêtise.
Toi, tu peux pas t'installer là, c'est dommage. Ça aurait été super cool, mais tu peux t'installer là. Bon. En face du cimetière, c'est un peu mort comme quartier, mais au moins vous serez au calme. Les citoyens s'en vont, mais non, restez, on vous fabrique des maisons exprès. Bande d'ingrats. Bon, ça c'est un peu relou, hein, de devoir faire à la main, ça aurait été cool qu'ils nous aient automatisé la vente. Niveau bouffe aussi, on est bien. Nos citoyens ont clairement besoin d'un toit. Mmh. C'est l'épisode où la cité va exploser. Très probablement. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas construit? Maison du guérisseur, on ne l'a pas. L'église, c'est fait. Le port, c'est fait. L'auberge, c'est pas fait. Donc, on va pouvoir le faire. Est-ce qu'on peut la mettre là, l'auberge? Pas trop. C'est dommage. C'est dommage, mais on pourrait la mettre à côté de l'église. Côté de l'église, ça a du sens. Ok, qu'est-ce qu'on n'a pas fait d'autre? L'école. Côté de l'église également. Qu'est-ce qu'il vous faut? Des bougies? Inventaire vide. On va t'améliorer. Ah, on peut t'améliorer bien loin. Bon, les bougies, elles arrivent hein, de toute façon. Voilà, on achète. Hop, hop. Des moutons pour 100 balles, on peut y aller encore. Hein, d'ailleurs. Voilà, on a acheté tous les moutons, l'enclos est plein. Alors je vous remets le lien pour ceux qui voudraient récupérer Patreon, voilà, tout en aidant la chaîne, bah, n'hésitez pas à passer par ici. Merci à ceux qui le feront. Marchand de graines, les laitues pour 1000 balles, oui si tu veux. Là vraiment on n'est plus en galère de sous. Hein. Les puits d'ailleurs, on les a pas améliorés. Il est peut-être temps. Alors, ce qu'on va faire, c'est aller chercher les bâtiments. Bon, c'est quand même un peu pratique, hein, cet onglet bâtiment pour aller justement chercher tous les trucs à améliorer. Ça nous fait des chances de feu réduites. C'est plutôt bien. Ainsi que des bonus de santé. Voilà, les puits en pierre, ils sont là, ils sont tous au max. Espèce de stockage insuffisant. Attends, on va vendre un peu.
petit bois, boum, moins 700. Non, on peut pas l'améliorer plus pour le moment en tout cas. Alors les recherches, on a laissé tomber. C'est reparti. Quel autre bâtiment n'aurait pas construit jusqu'à présent? La bijouterie s'est faite, la distillerie s'est faite, la boulangerie et le moulin. Alors le moulin, il voulait nous le placer à côté des champs. Donc on va le mettre par là. Voire même par ici. Ok, et la boulangerie par ici, ça c'est fait. On l'a construit, ça on l'a construit. Le rucher on l'a pas construit. Le rucher on va peut-être le laisser à côté du forestier. Ensuite, un entrepôt, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, on met ça un peu en vrac pour le moment. Cabane de menuisier, c'est bon. Les bougies, c'est bon. Briqueterie, c'est bon. Les vêtements, c'est bon. Ferme de champi, c'est bon. Forge, bien. La pêcherie, on l'a pas fait. Ok, on est retombé sur nos pieds avec ces routes. Ensuite, on va virer la grille. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait d'autre? Mine de fer, pêcherie, ça c'est fait. Dépôt, recueilleur, chasse, rien. Là, on a tout fait. Enfin, tout ce qu'on pouvait faire, en tout cas, on l'a fait. Maintenant, parmi les embellissements. Il reste la fontaine ordinaire. Est-ce qu'on peut la placer? Je crois que ça peut être possible ici. C'est dommage. Alors on va décorer là-bas. Ici, là on peut pas, ici on peut. T'as du cimetière, c'est possible? C'est complètement possible. Est-ce que par ici c'est possible aussi? Un peu grimper le prix des loyers. Ce que j'aimerais, c'est laisser quand même la place pour une route à côté de l'école. Fait. Là on a un peu de place encore.
Ok, on enlève la grille et on y retourne. Bon, c'est vrai que j'ai pas vérifié les employés, mais ça va, il y a du monde. Bah, j'hésite à remettre un herboriste, mais ça part tellement un peu vite. Hein. Bah, deux tailleurs. Alors toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux du pain? Non, tu veux pas du pain. Tu veux du blé? Tu veux de la farine? La farine et le moulin n'est pas construit encore. On va prioriser pardon, le moulin et continuer nos recherches. Mine de rien, faut avancer. On va se faire l'élevage de cochons et l'étang moyen. On va commencer par l'étang moyen, histoire d'essayer d'en placer un quelque part. Au niveau de la bouffe, je vais pas construire tous les champs, etc. parce que au final on a déjà trop. Même si probablement il serait plus heureux avec plus de variété. Je pense que le problème de stockage va être pénible au bout d'un moment. Donc l'étang moyen, et d'ailleurs on va aller vendre des trucs. Le petit bois, moins 700, bim. Recherche terminée, c'est parfait. Élevage de cochons. Et on continue d'avancer. Prochaine recherche, les obligations. Et on a plus de personnes sans logement, donc maison à deux étages. Voilà, c'est parti pour 3 tonnes de maison maintenant. Alors pas de soucis, on a de quoi venir aux besoins de tout le monde. Et la cité qui commence à prendre forme. Petit à petit. Il va nous falloir un autre puits. Voilà, puits en pierre. Puits en pierre qui peuvent aller bien loin. Lieu de culte également. Est-ce qu'on peut rajouter d'autres? Ah oui, les tours de guet. C'est vrai que les tours de guet, on s'en est pas beaucoup occupé. On était censé les transformer en poste. En poste de garde. C'est bon, retour à la carte normale. On a personne qui travaille ici.
Nouvelle recherche en cours. Et là, on a plein d'employés. Ok, ça c'est fait. Alors toi t'as pas de maison, mais si tu veux aller construire une maison, franchement il y a moyen. Recherche terminée, ok. Ah, là il nous faut du bois. Allez, bois brut. Ok, donc là on a amélioré le bâtiment qui peut recevoir plus de monde. Logement insuffisant marchand. Mais écoute, ça va venir. On a combien de personnes? 3. Voilà, un garde supplémentaire. Alors on a bientôt construit tous les bâtiments qui nous permettaient de produire quelque chose. Il nous manque le guérisseur, il nous manque l'huilier, le parfumeur, le meunier, l'aubergiste. Ah ouais, l'aubergiste... Attendez, l'auberge on l'a pas posée quelque part? Elle est pas construite. Et puis ce sera tout pour les bâtiments... le monnayeur aussi, pardon. Et puis ce sera tout pour les bâtiments de production. Donc toutes les autres recherches après sont des améliorations ou des bâtiments décoratifs. Vos citoyens s'en vont, non mais sérieusement. Les gars, s'ils s'en vont là, c'est pas ce qu'il leur faut. Allez, on construit ça. Ensuite, semences de verger. Ok. Donc. Là, on a tout construit. Là, on a tout construit. Bateau échoué. On récupère des adultes et des enfants. Allez hop. Donc ça, 4 sur 4. Déco, hop, on va afficher la grille. Histoire de voir où on se pose. Ça ne passe pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fontaine ordinaire, petit parc, statue moyenne, étang moyen, on l'a pas posé. Étang moyen ici, étang moyen là. Ben c'est vraiment pour fabriquer les bâtiments quoi. Ensuite, frais de marché, c'est fait.
pollinisation, pourquoi pas, ça va aider le ruchier. On va faire finalement la distillerie niveau 2 puisque on n'a pas eu l'occasion de le faire avant. Voilà, les éléments décoratifs qui petit à petit se mettent en place. Voilà, parfait. Ok, le moulin amélioré à fond, donc maintenant la boulangerie va pouvoir fonctionner. Recherche terminée, ok. Bon, là le truc c'est qu'on profite plus vraiment de chaque... recherche, de chaque avancée technologique, parce qu'en fait on fait tout un peu à la chaîne maintenant. On a passé le stade où on faisait au détail. Même si on va essayer de continuer, hein, de faire un peu au détail quand même. Mais c'est vrai que là on pourrait passer, si on faisait encore davantage de maisons, à vraiment quelque chose de grand, et c'est ce qu'on va faire parce qu'on a plein de bouffe, plein de bois de chauffage. Donc on n'a pas trop de questions à se poser à ce niveau-là. On a une sacrée marge. Recherche terminée, c'est ok. Distillerie niveau 2. On va acheter du bois quand même, parce que ça part vite. Ça part vite, ça coûte pas cher. Je garde la place ici pour mettre pas mal d'objets de décoration et autres. Recherche terminée, ok. Est-ce qu'il y en a une autre qu'on peut lancer? Oui, celle-ci. Route optimisée. Augmente la production des boutiques de bougies si elles se trouvent près d'un ruchier. Ah, bien vu. Bah écoute, non, le ruchier il est à l'autre bout du monde. Navire d'esclaves s'est échoué. L'esclavage me dégoûte. Libérer les esclaves. Quant au noble, je me fiche de ce qu'il en a. Ouais. Allez. Ouais, vous êtes pas content, vous avez pas de maison, mais en même temps, vous les fabriquez pas. Négociant ici, un potier, deux gardes. Est-ce qu'on peut mettre d'autres? Le pêcheur c'est important, mais bon. Meunier boulanger. Ah ça y est, on va tenter. Le briquetier on va l'enlever parce qu'on n'a pas vraiment besoin d'énormément de briques. Je crois qu'on a une petite galère de blé en vrai, parce que entre le champ et la distillerie, donc on va peut-être se faire un nouveau champ de blé, probablement par là. On va en faire deux. Ouais, évidemment, ça consomme du blé. Voilà, un petit peu d'arbre en plus. Ici, on peut lancer une nouvelle recherche. Tout à fait.
Ah, le seul truc qui nous fait traîner dans les recherches, c'est que j'oublie de les lancer en fait. Ouais. Mais sinon. Sinon, ça avance. Ok, et donc on va faire du blé ici. Voilà, on est d'accord. Qu'est-ce qui nous manque? Bon, on va les laisser tranquilles avec, avec les ouvriers parce que visiblement, quoique, le négociant a disparu, le briquetier a disparu également. On a des maisons hein, qui sont prêtes à accueillir des gens à condition de les terminer. Il nous manque des briques ici. Ah mais si, il nous manque plein de briques partout en vrai. Ok, pas de problème. On va passer à deux briquetiers. On va passer à trois même. De l'autre côté, est-ce qu'on avait amélioré tout ça? Oui. Les taxes royales augmentent. Non. Ça, c'est un non. Non catégorique. Arbre décoratif. C'est oui. Parc moyen. De défoncer l'arbre de recherche là depuis le début de l'épisode. Hop. Et en même temps, bah écoutez, cette cité prend petit à petit de l'ampleur, même si là on attend les briques et les maisons. C'est bon. Ça va avancer. Recherche terminée. Ok. Distillation optimisée. Augmente la production de distillerie si elle est adjacente à un verger. Ce n'est pas le cas. Ils veulent du petit bois et des bougies dans l'école. Je pense que les citoyens s'en vont juste parce qu'ils n'ont pas de place dans les maisons, quoi. Ah ça c'est pas mal, augmente l'efficacité de l'école de 1% pour chaque maison voisine. Donc on aurait pu placer l'école plus au milieu si on avait su. Mais bon, il y aura quand même quelques maisons alentour. Voilà. Oh, les négociants qui n'arrêtent pas de s'en aller. Ah mais je suis en train de me demander si on le dépense pas en vrai. Quand on lui demande de faire
un voyage. Et il nous manque pas mal de monde pour les champs. Non, il y a eu décès en masse. Hein. Ah non, ce sont peut-être les gens qui sont partis simplement. Alors, recherche terminée. Hop, on continue. Voilà, on est dans la routine là de récupérer de la place, de récupérer du bois. Et de temps en temps de caler une recherche. On avance, on a fait plus de la moitié du truc de recherche. Ça va quand même bien vite maintenant. C'est pratique, hein. Quand la recherche ne demande que de l'argent, on peut quand même les enchaîner plus facilement. Année terrible pour les récoltes, hein. 300 pièces, bonheur 5. Priorité à l'éducation, ça peut être bien aussi. Il y a plein de trucs qui peuvent être pas mal, hein, mais après c'est vrai que... ah si, en influence, on est passé à 6. Donc, devoir, pièce de marchand par noble, plus 15%. Allez, hop. Ensuite, tarif, pièce par paysan ouvrier, plus 15%. Hop, toujours plus de thunes. Budget, budgétisation de base, entretien de base, moins 10%. Bien essentiel, plus 10%, non mais on est très bien avec ça. Allez hop. Salut à toi Karz, comment vas-tu? Ah, tu arrives à la fin de... Enfin la fin, on va rester encore un petit quart d'heure, 20 minutes pour cet épisode. Mais on arrive un peu au bout de la partie, mine de rien, même si bon il reste encore quelques trucs à rechercher. Hein. Mais là on est en train de curer l'arbre de recherche en boucle. Oh là là, merci beaucoup Karz, 2 ans déjà. Mais écoute, tu as célébré ton deuxième année, ta deuxième année pardon, ton deuxième anniversaire en même temps que Speed. C'est passé aujourd'hui également. Donc n'hésite pas si tu veux récupérer un jeu dans la liste du stagiaire, à me dire lequel te ferait plaisir. Et merci beaucoup pour ce soutien inconditionnel de qualité. Merci beaucoup. 2 ans, ça passe quand même hyper vite. J'ai l'impression que plus on vieillit, plus ça passe vite. C'est terrible. Tribu. Mise en œuvre de cette politique augmente les impôts de la noblesse. Allez. Ça, c'est un décret qui me parle. Donc, voilà. Ce qui se passe là, c'est qu'on attend hein, simplement que les maisons se construisent pour développer plus la population, tout en curant l'arbre de recherche et en remplissant les métiers où il y a encore de la place avec des ouvriers. Allez, c'est bientôt fait, ça. Donc voilà, au final, alors bon, le let's play sera peut-être pas terminé là-dessus parce qu'il restera encore quelques petites choses à voir quand même.
Mais c'est vrai qu'on a construit quand même l'essentiel des bâtiments, etc. Au final, ouais, Petron, très très bon en mid-game. Mais early et endgame, je suis pas sûr que le jeu nous tienne très très longtemps en fin de partie, quoi. Et l'early, on a parlé du petit souci de lenteur qu'il y avait entre la première génération de colons et puis la suivante, qui fait qu'à un moment du jeu, on n'a plus grand chose à faire, on est obligé d'attendre. Le mid-game est bien chargé, mais finalement, bah là, on est en train de dérouler un peu, quoi. Et je pense qu'on va dérouler jusqu'à la fin. Sitôt qu'ils auront accepté de faire ces maisons, ça pourrait débloquer pas mal de choses. Parce que là, on a quelques débilos qui courent sans maison, mais ils veulent pas aller les construire. On a pas de briques. Pas de briques, pas de briques. Pas de briques. Comment ça fait ? Quel est le problème ? Le problème, c'est on n'a pas d'argile. Ou pas de charbon. Ah ouais, c'est possible ça. Vous savez ce qu'on va faire ? On va acheter du charbon. Comme ça, on est sûr. Voilà, hop. De toute façon, on est pété de thunes. Restrictions alimentaires. Mise en place de cette politique restreint les rations alimentaires pour tous vos citoyens. On va peut-être pas leur infliger ça tout de suite. Bon, les agriculteurs, c'est bon, ils sont au complet. Les mineurs, on va essayer de les aider un peu. Enseignants, on n'en avait pas. Ok, la recherche avance bien. Alors le truc qu'on pourrait demander, c'est le parc moyen, c'est ça? Petit parc, parc moyen. Voilà, est-ce que vous voudriez bien nous mettre un parc moyen par là, s'il vous plaît? Ou par là? Où est-ce qu'on va le mettre? On va afficher la grille. Ce sera un peu plus clair. Tiens, un parc moyen ici. Parc moyen, on va pas le mettre là, on va en mettre un là. Pourquoi pas par ici, non? Près de l'école. Ici, il n'y a pas de place. Pas envie de trop boucher l'espace. Mais... moyen ici. Et pourquoi pas par là également. Enfin, c'est vraiment pour le principe. Marchand pirate, monseigneur, un marchand indépendant vient d'arriver. Tout à fait. Écoute, oui. On lui donne du petit bois, mais on gagne 900 balles. Alors, on a récupéré le charbon, c'est une bonne chose. On va acheter quoi? On va acheter de l'argile. On vend de l'argile. On va pouvoir faire des briques. Ah ça y est, une maison qui a été fabriquée, isolation, hop, hop. Vos citoyens s'en vont, non mais attendez, on vous les fabrique les maisons. Bande d'ingrats, poste de garde, parfait. On va pouvoir améliorer nos tours de guet. Bon, réduction des impôts, on va chercher ça, mais... C'est vraiment pour curer l'arbre de technologie.
Allez pas dire à nos citoyens qu'on va l'utiliser parce que... Après ils vont s'imaginer des trucs. On a récupéré l'argile, c'est bon, on va peut-être pouvoir lancer un autre. On va vendre du petit bois. Recherche terminée. Allez, réduction des impôts. Bon, on peut le rechercher hein, tant qu'on l'utilise pas dans les décrets, tout va bien. Alors, on a toujours pas de points d'influence supplémentaires. Recherche avance, atelier de couture. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Haute société, pourquoi pas. Augmente le bonheur de la noblesse vivant près d'une bijouterie. Guilde des paysans, on pourrait aller jusque là. Pourquoi pas. Droit de propriété. Chaque maison en pierre. Mais nous on est passé aux maisons à deux étages. Alors on va le faire quand même. Est-ce qu'ils considèrent que nos maisons à deux étages sont des maisons en pierre? Je suis pas sûr. C'est pas garanti, voilà. Vas-y, c'est la formulation de votre choix. Ça fait beaucoup de choix. Purée, mais les briques, qu'est-ce que vous foutez là? Vous êtes 3, il vous faut 2 ans pour fabriquer 30 briques. Vos citoyens s'en vont, ouais bah ils sont trop impatients. C'est vrai qu'on pourrait fabriquer l'auberge avant toute chose. Ça permettrait à pas mal de monde d'habiter. L'abri est plein. Il nous faut quoi? Il nous faut 100 briques. Peut-être qu'on pourrait acheter les briques directement. Je pense que autant pas s'embêter. Au point où on en est. Tiens, les briques. Bim. Voilà, là on va être bien pour tous les bâtiments qu'on avait demandé. Au moment où le bateau sera arrivé. C'est vrai que depuis le début on aurait pu faire ça. Plutôt que d'acheter de l'argile et du charbon pour fabriquer les briques. Et finalement, en plus de ça, elle coûte 2. Le charbon et l'argile nous coûtent ou autant ou plus cher, donc... pas trop d'intérêt. Ok, recherche suivante. Natalité. Ah, on va faire la guilde des ouvriers tout de suite, comme ça on pourra construire ce bâtiment. Pénurie de logement, mais attendez, on arrive. Les briques elles sont là. En 30 secondes. Bim, c'est fait, on va en commander d'autres. Où sont les briques? Elles sont là. Ce serait bien de pouvoir améliorer le port davantage également. Ok, bon là on a tout. Il suffit d'avoir maintenant les ouvriers pour fabriquer les choses. Mais ils ont commencé par l'auberge parce que c'est ce qu'on a demandé. On n'a toujours pas atteint les 100 adultes. C'est vrai que ça pourrait être un objectif aussi avant la fin de l'épisode. Guilde des ouvriers. On va aller voir le décret natalité.
Là, vous voulez quelqu'un, c'est fait, augmente le bonheur. Ah, je croyais que ça allait héberger des gens, mais pas du tout. Donc, on pourrait virer tarif, hein, peut-être. Non, on va virer... je sais pas. On va virer celui-là. Natalité, c'est où ? Natalité, il est là, il faut 8 points d'influence. Population plus 30%. Ah. Bon, bah écoutez, on va faire autre chose. Pièce par paysan et ouvrier moins 20%, réduction de l'impôt, mais non. Tribu, pièce par marchand et noble plus 20%. Oui. Donc il nous faudrait 8 points d'influence pour pouvoir utiliser natalité. Petite recherche, la guilde des ouvriers arrive. Ok. Alors on va lancer une recherche et on va, pourquoi pas les vêtements fins, et on va fabriquer la guilde des ouvriers, bâtiment de ville. Un endroit où les ouvriers peuvent se réunir et discuter de leurs problèmes. Chaque membre y gagne un peu d'argent. Ok. Eh bien écoutez, mettez-vous par là les gars. Bon, il nous restera toutes les autres guildes à fabriquer. Je pense que ce sera l'objet d'un prochain épisode. Probablement d'un dernier épisode même. Parce qu'il est fort possible qu'on arrive à curer tout le reste la prochaine fois. Bijouterie niveau 2. Ah, on n'est pas fini avec les vêtements fins. Place, ça permet de construire de la place. J'imagine que c'est une place. L'atelier de couture, on l'a pas pris. Ça permet de produire les vêtements fins. Ok, donc la place. Embellissement. Petite place. Place moyenne, grande place. Donc une grande place ici. Pourquoi pas mettre un A. Qu'est-ce qu'on n'a pas mis? Une fontaine ordinaire, on l'a placée. On n'a pas placé la petite fontaine. Ça s'est placé. Statue moyenne. Une petite statue. Je pense qu'il y a encore un peu de... Ce serait quoi? Un grand étang? Tiens. Voilà, le grand étang, on le mettra ailleurs par là peut-être. Bon, on a placé les trucs décoratifs encore une fois. Pour le principe, bijouterie niveau 2. L'atelier de couture à pouvoir fabriquer. Où est-ce qu'il est? Alors le moulin à huile, on l'a pas fait. Où est-ce qu'on va le mettre? Par ici. Ici, c'est pas possible. Ah, l'atelier de couture, donc. Voilà, maintenant on déroule encore les bâtiments à la chaîne. Est-ce qu'on mettrait pas un ruchier d'ailleurs à côté de la magasin de bijoux.
Il n'y aura pas beaucoup d'espace, pardon, mais il va se... Voilà, filer un bonus ici pour le principe. Recherche terminée, c'est cool. Haute société, allez. Et au niveau des employés... Forestier, c'est bon. Pêcheur... C'est bon, on va garder nos deux ouvriers. Herboriste, on le laisse à zéro hein, parce que là pour l'instant on est toujours à 900. C'était notre stock quasiment de départ. Mais tant qu'on n'aura pas la maison de guérisseur, je pense que ça partira pas du tout. Ok, alors ce bâtiment là est terminé, mais on peut pas le. Il n'y a rien à améliorer. Isolation, ok. Le poste de garde, on peut rien faire. Et il nous faut du bois brut. Il y avait longtemps qu'on nous avait pas demandé du bois. Ok, bon là on arrive tout en fin d'épisode, donc ce que je vous propose c'est d'aller jusqu'à la guilde paysan, fabriquer la guilde paysan et puis on s'arrêtera pour cet épisode-ci et ce live, hein. Mais on reviendra pour terminer. Alors peut-être que je vous ferai l'épisode en off, en vrai, le dernier, parce que je pense que faire un live pour juste un épisode ça aura pas trop d'intérêt. Allez, tribu de luxe. C'est parti. Ici, il n'y a personne. On en est où des ouvriers? On a 3. Tiens, le huilier. Espèce de stockage insuffisant, pas de soucis, on va vider un peu. Avec du petit bois à dégager. C'est peut-être plutôt la bouffe qu'on devrait vendre. Le petit bois, on s'en sert à l'école. Recherche terminée, on arrive à la guilde des paysans. On pourra peut-être rechercher la grande statue aussi pour le principe. Alors, isolation, isolation. Attendez, noblesse déchue, gnagna. Et risquer d'irriter le roi, non. Ils sont les bienvenus. Voilà, on passe au poste de garde ici. Poste de garde également. Il y en avait une autre, voilà, par ici. Ici. Ok, je crois que c'est bon pour les tours. Poste de garde. Ça a l'air bon cette fois-ci. Recherche terminée. Ok, on va lancer la grande statue et puis donc on va construire la guilde. Elle est où?
Guilde des paysans, donc à côté de celle des ouvriers. C'est le biclassage du citoyen ouvrier-paysan. Et on fera les nobles et les marchands ailleurs, peut-être par là-bas. Recherche terminée. Bon, tant que la guilde n'est pas construite, on peut y aller. Terminer tranquillement cet épisode. On est en novembre de la 25e année. Bah voilà, on va finir l'année. Élevage de vaches, puis grande fontaine, il nous faut 150 pierres. On est à 140. Peut-être construire une grande statue du coup. Art décoratif, pourquoi pas. Tiens. Et la grande statue. Ah oui, grande. Ok. On peut la mettre par là. On peut pas. Ici, on ne peut pas. Ah, c'est ça d'avoir construit n'importe comment. Ici, on a une petite place. Oui. C'est possible. Hop. Est-ce qu'on peut mettre une grande statue par là-bas? À côté de l'église. Ensuite, par ici, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a vraiment envie de mettre une grande statue ici? Je suis pas sûr. Ici, ça passe? Yes, parfait. Et donc, on attend. On a 100. Il nous faut 150 pierres, on en a 28. En raison de toutes ces grandes statues construites. Ici, la guilde de paysans. En cours de fabrication. Et voilà, c'est terminé pour notre guilde de paysans. Donc là-dessus, eh bien, on va terminer l'épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi en souhaitant que ça vous ait plu. Il y en aura encore un dans lequel on va continuer de curer cet arbre de technologie. On est quasiment au bout. Et puis on construira les derniers bâtiments, etc. Histoire de clôturer ce petit let's play sur Patreon. Donc encore une fois, vous pouvez aller le récupérer si vous voulez. Je vous laisse le lien. Hop. Voilà, le lien pour avoir un petit discount et puis aider la chaîne si jamais vous souhaitez acheter le jeu. Alors après, pas d'obligation, parce que c'est vrai que ce jeu-là ne révolutionne pas le genre. Mais si vous aimez ce genre de jeu, bah, écoutez, n'hésitez pas, il est plutôt bon. Plutôt bon, voilà. Allez, là-dessus, bah, je vous remercie d'avoir suivi ce live en souhaitant que ça vous ait plu. On va s'arrêter pour aujourd'hui, mais on reviendra donc avec un dernier épisode en VOD. Et puis demain, on se retrouve, mais ce sera pour Diablo 2 Resurrected en bêta. Allez, ciao tout le monde, passez une bonne soirée.